C'était un esprit qui m'avait croisé. Il me dit qu'en ce moment, ils sont en train de faire des réunions, que les sorciers sont en train de faire des réunions, mais qu'ils étaient en train de faire des réunions à mon sujet. Que c'était à mon sujet, dit, ah bon, que à mon sujet, oui. Ok, d'accord. Mais qu'il veut me faire quelque chose en ce moment, que si j'accepte, il va me le faire. Que, donc, je dois me déshabiller. Lui ne va pas me regarder, il va tourner le dos. Je dois me déshabiller et parler à l'arbre, dire à l'arbre que tout complot contre moi est sans effet et annulé. Que lui va tourner le dos. Mais parce qu'en ce moment, j'étais en short et en tricot. Donc, il m'a juste demandé d'enlever juste le haut. Bon, moi, j'étais curieuse. J'aime faire des choses du genre pour voir ce que ça va donner. Pourquoi cette personne? Moi, j'aime, oh, comment dire, j'aime pousser ma curiosité un peu loin pour faire des choses, voir qu'est-ce que ça va donner, ou bien qu'est-ce que j'aurai en retour, ou bien ce qui sortira de ce genre de truc. Donc, à moi, qui me dit, ouais, je pompe, je me trompe, je me trompe, je me trompe, je me trompe. C'est là que je suis trop, que je me trompe, je me trompe. Et puis on a continué pas marcher, toujours pas marcher. Et quand même, je les togo mais à bavo, que ni m'trois ni m'a gagné mon touchant qui m'touva un touchant. Parce que et bien au début les mois il y avait juste des zéros. Kudo ati gang gang gang. Et quand même, do minu mais va. Donc à Kemi on va voir quoi. Et ben les tonnes benabé m'nekbo agbenya. Que mon étoile c'est agbenya, ben c'est sur trois. Oh trois. Qu'il y a des gens qui ont une étoile, des gens qui ont deux. Benya Tonya, elle et moi, mettons Dieu. Donc peu importe la route que je vais prendre ou bien le chemin que je vais prendre, si c'est selon les trois routes-là, que ça va toujours marcher. Que c'est vrai qu'il y a une qui domine les autres, mais moi, mettons, quand les qui m'assurent que ça va toujours marcher, moi, je vais continuer. À un moment donné, il me demande si j'ai un copain. Je dis, mais non. Là où je suis, j'ai pas de copain, j'ai même pas de chaussée. Il dit ok, d'accord. Que ya Eva be yaba demi, c'est là les choses corse. Eva be yaba demi que non que odon ebe ya yaba demi ebe et ni me dit bien à Gbedo ni me négble au côté à Nyekboé et Nyekboé madé. Que si je ne veux pas détruire ma vie et tout, bien que demain, ça soit néfaste pour moi, que c'est lui qui doit m'épouser. Dis, monsieur, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Eh bien, je me dis, je vais employer de MB, c'est parce que je n'ai pas peur. Que je vais employer de MB. Pas parce que je me dis, je vais employer de MB. On n'épouse pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mes parents, ma famille ne te connaissent et personne ne te connaît. Je ne t'ai jamais vu. Peut-être toi, tu nous connais, mais moi, je ne t'ai jamais vu. Donc, je ne peux pas, même si j'accepte aujourd'hui, tu dois rencontrer mes parents et tout, avant que quelque chose ne se déroule entre toi et moi. Je ne sais pas si tu as dit que tu ne sais pas si tu as dit que 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 Kakamanya m'a photo de Boda. Alors qu'en ce moment, on marchait de Casablanca, en fait. Mais on a marché, on a photo de Boda. Et quand j'entendais le bruit de la mer, en fait, mais les Gajagodo, et il y avait les soldats, pas loin de Niagbo. Voilà les Gajagodo. Parce que, fou-moi, normalement, on me tournait d'Onaganamio et d'un Gandji. Donc, en ce moment, tu peux toutefois entendre. Et le bruit venant des soldats qui discutaient, parlaient, mais de l'autre côté, tu peux les entendre. Et le bruit de la mer. Et c'est là que j'ai compris en fait, qu'on était déjà loin de la mer, en fait. Donc, en ce moment, j'étais là. Et les secteurs ont mis à pouta, kochanlé. Donc, il m'a laissé seul là-bas. J'étais pas assise par terre dans le sable.
Donc quand j'étais assise là-bas, avant de me quitter pour me dire qu'il arrive, elle est tombée. Mais si quelqu'un venait vers moi et me demande qui je suis et ce que je fais ici, de juste répondre à la personne, de bien pour qu'on y va et puis la personne va partir. Ok. Et sans mentir, j'étais assise là-bas, les gens passaient, mais il n'y a personne qui m'est approché. Amédic Mengogo, mais il était déjà minuit dépassé. Donc les gars ne venaient plus jusqu'à noter. Et trop va. Il est revenu. Et puis il me dit, Eva Naïde Gbonye, il me dit, Ubek Bwebeni Madeya. Benying Bagou Gamena, Obe Game, il est ici. Benying Bagou Gamena. Que tu ne veux pas m'épouser, ne m'énerve pas, sinon je te ferai du mal. Genre, c'est à ce moment-là, il était devenu, genre, ses yeux étaient devenus vraiment rouges. Tu sens qu'il était vraiment énervé et qu'il était vraiment en colère. Que je dois maintenant rentrer chez moi. Que, ok, ici, t'es midjo. Il m'a demandé de me lever par eux, qui va me raccompagner chez moi, et là, soudainement. Déjà, je ne savais pas qui voulait me faire du mal. Arrivé au beau milieu de quelque part où il y avait jusque des grands arbres et tout, le monsieur prend une pierre par terre, une vraie pierre et pas des cailloux, vouloir me cogner la tête. Et je ne sais pas comment ça s'est passé et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Que de me coucher, que lui, il a envie de faire l'amour. Comment ça, tu as envie de faire l'amour? Je ne te connais pas. Que de ne pas lui perdre le temps, que lui-là, il n'a pas le temps. Qu'on l'a envoyé au fait, pour moi en fait. Que je ne. Que. C'est la famille. C'est des noms. Que c'est quoi mon histoire là? Et que il est blonam benabe et be adema. J'ai le culot de lui répondre que de lui dire non, que je ne voulais pas. Be et gomede. Benam la ni kaba que lui a envie de faire l'amour avec moi. Que ces bêtises là que lui yemu gobeno. Benim bagou gamenae. Tiens bon. Ok. Benyan kia. Que yemu be. Que tout ce qu'il veut est là ouais. Que je ne vais pas. Me confronter à lui en quoi que ce soit, mais pas ici.